Bonjour mes chers élèves et bienvenue en classe de français. Dobar den, dragi učenici, dobrodošli u voje učilnica na francuski jazik. Ja sam Irena Numoska, nastavnik po francuski jazik u osnovnom učilištu Goce Delčev u Privredi. Ova video lekcija je namenjena za učenicite od 7. odeljenje i predviduva aktivnosti i vežbi za povtoruvanje i provjeruvanje na znanjata povrzani sa oblekata i modnite dodatoci. Левитно или за аксесуар. Па затоа целите на денешниот час се преку различни активности учениците да ги систематизираат и проверат своите знаења поврзани со изучениот вокабулар за облека и модни додатоци. За таа цел ви предлагам да си ги земете вашите училишни тетрадки и пенкала и да ги запишувате вашите одговори за да може да проверите колку од истите се точни. Alors, on commence. Voilà activité 1. Choisis le mot qui convient à l'image. Предпоставувам дека веќе погодувате кое барањето на активност број 1. Избери го зборот што одговара на сликата. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous regardez sur cette photo? Што гледате на оваа фотографија, ученици? Тоа е сукња, нели? Имате понудени два збора. Une robe, une jupe. Кој е точниот? Qu'en pensez-vous? Réfléchissez bien. Размислете добро. Точниот одговор ќе се задржи на слайдот. Oui, c'est une jupe. Бидејќи поимот под број 1, une robe, значи фустан. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous regardez maintenant? Сега што гледате на оваа фотографија? Тоа е вратоврска. Кој од понудените два збора значи вратоврска? Une cravate, un chapeau. Oui, c'est une cravate. Бидејќи поимот под два, un chapeau значи шапка. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous regardez sur cette photographie? Што гледате на оваа фотографија? Тоа се чорапи. Понудени два збора имате. Des chaussettes, des chaussures. На видом слични зборови. Но еден е точен. Кој е точниот збор? Des chaussettes. Бидејќи зборот des chaussures значи чевли. Qu'est-ce que c'est? Ова се патики. Понудени збора се des bottes, des baskets. Кој е точниот? Qu'en pensez-vous? Oui, des baskets. Бидејќи зборот des bottes значи чизми. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous regardez maintenant? На оваа слика гледате панталони. Понудени збора се un pantalon и des pantalons. Едниот збор е во еднина, а другиот во множина. Кој е точниот збор? Oui, un pantalon. Да се подсетиме, во францускиот јазик, зборот панталон се пишува во еднина. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous regardez sur cette photo? Нова фотографија гледате машки костим. Кој е точниот збор? Une veste? Un costume? C'est facile, n'est-ce pas? La forme correcte, c'est un costume. Бидејќи под еден зборот une veste, значи сако. Voilà activité 2. Écoute le mot et associe à l'image qui convient. Активност број 2 е за слушање. Слушни го зборот и поврзи го со сликата што одговара. Јас ќе ви го изговорам зборот, а вие треба да го поврзите со соодветната слика. Écoutez-moi attentivement, s'il vous plaît. Une robe. Une robe. Го слушнавте зборот une robe. Со која слика одговара? А, Б или слика С? Réfléchissez. Oui, B c'est la réponse correcte. Бидејќи на слика А, c'est un t-shirt. На слика С, c'est un jean. Qu'est-ce que c'est?
Écoutez-moi. Des chaussures. Des chaussures. Goslušnavte zboru. Des chaussures. Na koja slika odgovara? A, B ili slika C? Oui, A, c'est la réponse correcte. Vidite ki na slika B, ce sont des chaussettes. A na slika C, c'est un pantalon. Qu'est-ce que c'est? Écoutez le mot, s'il vous plaît. Une casquette. Une casquette. Koji od ponudenite? Koja od ponudenite fotografije odgovara na zboru une casquette? A, B ou C? C'est ça. La réponse correcte, c'est B. Vidite ki na slika A, c'est une cravate. A na slika C, c'est un sac à dos. Activité 3. Devine le nom du vêtement caché. Sleduje interesna aktivnost. Treba da pogodite koje parče obleka se krije. Devine le vêtement caché. Koje skrijeno to parče obleka? Regardez, mes chers élèves. Est-ce que vous pouvez deviner? Oui, c'est facile. De quel vêtement s'agit-il? Oui, c'est une robe. Bravo pour vous. Maintenant, devine le mot caché, le vêtement caché. Est-ce que vous pouvez deviner de quel vêtement s'agit-il? Regardez bien, s'il vous plaît. Ce n'est pas difficile. Vous pouvez deviner maintenant. Oui, c'est un pull. Oui, c'est un pull. Maintenant, quel est le vêtement caché? Regardez bien la photo. Maintenant, c'est un peu difficile, mais soyez attentifs. Regardez bien, s'il vous plaît. Regardez bien, de quel vêtement s'agit-il? Oui, il s'agit d'un t-shirt. Bravo! C'est un t-shirt. Maintenant, vous avez un accessoire caché. Si vi imate jedan moden dodatok koji što se krije, da vidimo za koji stanova zbor. Regardez bien, mes chers élèves. Est-ce que vous pouvez deviner maintenant? Non? Regardez bien. Et maintenant, vous pouvez deviner qu'il s'agit d'un chapeau. Oui, c'est un chapeau. Bravo pour cette activité. Activité 4. Écris des phrases selon le modèle. Activnost broj 4. Bara da napišete rečenica spored primerom. Regardez la situation. 1. Da je pogledneme situacija broj 1. Koji parčinja obleka ga gledate? Un t-shirt, un jean. Voilà la phrase. Eva je rečenicata. Je porte un t-shirt et un jean. Spored ovoj primer, treba vije da napišete rečenici iz ostanatite situacije. Regardez situation 2. Quel vêtement voyez-vous? Une robe et des chaussures. Alors la phrase sera « Je porte une robe et des chaussures ». Situation 3. Vous regardez une jupe, un pull? Alors la phrase sera « Je porte une jupe et un pull ». Situation 4. Qu'est-ce que vous regardez? Un pull et un pantalon. La phrase sera « Je porte un pull et un pantalon ». Et pour la dernière situation, qu'est-ce que vous regardez? Quel vêtement? Une jupe et un t-shirt. Alors, la phrase sera « Je porte une jupe et un t-shirt ». Bravo pour cette activité. On continue avec activité 5. Qu'est-ce qu'il porte? Produžujemo sa aktivnost broj 5. Što nose ove ličnosti? Qu'est-ce qu'elle porte? Est-ce que vous regardez cette belle fille?
Qu'est-ce qu'il porte? Što nosi ova ubava devojka? Da se podsjetime na parčinjat oblik. Kapće sa sinka i gasket. Bluza, un bluzon. Može da se podsjetime i na bojte. Žolta bluza, un bluzon jaune. Crni pantaloni, un pantalon noir. Patike, des baskets. Alors, elle porte une casquette, un blouson jaune, un pantalon noir et des baskets. Voilà le texte. Bonjour, je m'appelle Sandrine. Je porte une casquette, un blouson jaune, un pantalon noir et des baskets. Et ce garçon, qu'est-ce qu'il porte? Što nosi ova momče? Bela majica na kratki rakavi. Un t-shirt blanc. Farmerki. Un jean. Niski patiki de tennis. Alors, il porte un t-shirt blanc, un jean et des tennis. Voilà le texte. Salut, je m'appelle Eric. Je porte un t-shirt blanc, un jean et des tennis. Qu'est-ce qu'elle porte? Što nosi ova devojka? Da se podsjetime na delovito do blekata. Sako se vika une veste. Crno sako une veste noire. Majica na kratki rakavi un t-shirt. Farmerki un jean. I niski patiki de tennis. Alors, elle porte une veste noire, un t-shirt, un jean et des tennis. Voilà le texte. Salut, je m'appelle Dominique. Je porte une veste noire, un t-shirt, un jean et des tennis. C'est ton tour maintenant. Tessinare, qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? En général, qu'est-ce que tu portes au collège? Écris sur ton cahier. Votvojata tetradka napiši, što nosiš denes. Generalno, što nosiš za naučilište. Voilà des sites utiles avec des exercices sur les vêtements et accessoires. Na ovoj slajd imate i dva linka koji što može da ga koristite za uvežbuvanje na vokabular od povrzan, sa obleka i modni dodatoci. Alors, c'est tout pour la leçon d'aujourd'hui. Passez une bonne journée, restez chez vous et apprenez le français. Merci de votre attention, mes chers élèves. À la prochaine fois. Au revoir à tous.